Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le sixième épisode de mon Let's Play découverte sur le jeu Anno 2070. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, et ben on avait nos... Non, pas des ingénieurs, ils sont où? Nos premiers responsables ICO, qui sont le dernier... Les gens n'arrivent pas à économiser, même en travaillant très dur. D'accord. Ce sont les derniers... C'est le dernier niveau de vie disponible. D'ailleurs, ils n'ont pas de barre verte, comme vous pouvez remarquer. On peut encore augmenter leur bonheur avec des holoprojecteurs. Sauf que, bon, ça commence à devenir compliqué. Donc, ça fournit les holoprojecteurs, les robots de service, le fondation de centre de loisirs. Voilà. Après, on a la station de génération d'ozone qui permet d'améliorer l'indice. Écologique, un générateur de tour solaire, un générateur de bouclier, c'est pour les attaques, et le site de traitement des eaux usées, c'est pour le bilan écologique. Voilà, donc tout ça, ce sont les bâtiments de type. Tant que vous tenez les rênes, on a rien. C'est pour les responsables. On a obtenu aussi le poste de police pour les crimes. Des données relatives à votre mission. C'est encore autre chose. Terminal de dédouanement, créer des zones de débarquement supplémentaires pour les navires. Oh. Ça aurait pu être bien. Plan de construction Tycoon. Ouais, je peux avoir le plan de construction Tycoon aussi. Du coup, en fait, on peut avoir. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a beau choisir une faction au début, on peut avoir toutes les factions disponibles. Si j'accepte SAAT, j'aurai les plans de construction Tech. Si j'accepte Tycoon, j'aurai les plans de construction Tycoon. Et il faut gérer aussi les trois civilisations en même temps. Enfin, civilisation entre guillemets, les trois factions en même temps. Donc, c'est la galère. Enfin, nous on n'en est pas là, nous on en est plutôt à gérer le maximum de responsables possible. L'objectif est, je le rappelle, 2500 responsables. Sachant que ici on est à 130 sur 200. Oui, on va dire qu'on est un peu à la ramasse, ouais. Enfin, pas à la ramasse, mais pour l'instant c'est pas assez. On va accélérer le temps, parce que je veux d'ailleurs aussi voir un truc. Où en sont les différentes productions. Alors le thé ça va. Mais les aliments diététiques ont l'air d'être un peu à l'arrache. Je pense que les aliments diététiques vont être nécessaires à produire. Donc, on va faire une seconde zone de production. Ah mais j'en ai mis une là-bas. Suis-je bête? Il me faut des légumes et du riz. Et ben allons-y. Ah oui, mais vu que j'ai pas d'outils, étant donné que c'est en train de tout me bouffer. Bon, alors attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser. En fait, si on a sélectionné un bâtiment et qu'on attend un peu, ils ne vont pas utiliser les outils, en tout cas les matières premières nécessaires. Ce que je vais faire. Il faut quand même que je garde un accès ici pour le. Ah non, je l'ai mis là, la station météo. Ouais. Bon, vous savez quoi. Toc, déjà la ferme. Ensuite, une deuxième ferme. En fait, j'ai arraché mal mon truc. 5 rizières. Parce qu'en fait, je devrais les coller. Vous allez voir. Toc, j'en mets une deuxième à côté. Bon, d'accord. Il gère pas son truc. Fais-moi un peu de place, toi. Tu sais pas gérer ton truc. Rah. Non, ça ne va point. Bon, 4 sur 5, ça va produire à 85%, mais bon. C'est mieux que rien. C'est juste que là, il y en a beaucoup. Ah mais, l'autre, il se déploie comment, là? Je finis de chercher des trucs comment? J'avais pas fait gaffe. Comme ça. Il va aller chercher comme ça. Ok, aliments diététiques, il ne faut encore. Bah, l'usine de prod de base. Je sais pas si j'en aurai assez. Enfin, je pense que j'en aurai largement assez pour une usine. Mais est-ce qu'il y en aura assez pour deux? Là est la question.
Ça m'a tout l'air d'être suffisant pour deux. Hein. Au pire, je rajouterai un peu des rizières ou des trucs comme ça. Je rajouterai ce qui manquera. Mais pour moi, ça va être suffisant. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. On va y aller. Un deuxième outil, s'il vous plaît. Ouais. Toc. Et il me manque une rizière. Voilà. Comme ça, ça va bien. Ok. C'est nickel. Pour qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. La boisson, ça va bien. Je vais regarder les stocks où ils en sont. Donc là, c'est en hausse. Là, ça bouge pas. Ça bouge pas. 78, 86, c'est en hausse. Même les boissons bio sont en hausse. Reste, il faut qu'on arrive à gérer ce problème de participation qui est juste là. Alors, attendez, ce qu'on va faire. Il serait logique que vous acceptiez cette mission. Détruisez tous les véhicules en fuite avant qu'ils ne quittent le secteur. D'accord. Donc j'ai qu'un seul navire de guerre. Il est où? Où est mon navire de guerre? Il est là. D'accord, j'ai plus rien. Toc. C'est fort dommage. J'avais de gros. Mais je sais pas quelle mission tu m'avais filé, j'avais oublié. Oh là là. Il y a trop de missions. Bon. Allure. Toc, je vais l'éolienne par ici. J'ai mes petites éoliennes. J'ai plus assez de matériaux de construction, voilà. Gérer mon bilan écologique aussi. Station de surveillance à construire sur un site minier. Avec celui-là, je ne m'en sers pas, on peut utiliser en attendant. Ah, ça coûte 10 de bois. Un incendie. Évidemment, c'est trop loin de mon truc d'incendie. Loul. Eh, je peux pas les mettre. C'est une blague. Vite, des outils. Je veux des outils, il y a urgence. Au feu ! Tout est en train de brûler ! Oui, je sais que tout est en train de brûler. Est-ce qu'il faut pas une route ? Il fallait une route. Bon. J'espère qu'il y a personne là-dedans. Il a quitté la région, mais attendez, oh. L'échec ne fait pas partie de mon répertoire. Oh la vache, je me suis fait ninja tous mon les incendies mec. Ont été éteints. Ok, d'accord, c'est génial. Régler le problème d'incendie. Bon, alors, maintenant il faut que je règle ce problème de centre de congrès, il faut que j'en mette un deuxième ici. Parce que je vais pas avoir... il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsables. Et tous mes ingénieurs, ils sont dans cette zone. Or, j'ai mis mon premier centre de congrès ici. Donc, il faut que je mette ici. Sauf que ça va être long. Ça va être très long, surtout que ça... Il y a pas mal de gens qui montent de niveau, donc qui utilisent les ressources. Attendre un peu. Alors, le bois, c'est bon. Le verre, ça va bientôt être bon. Les outils, ça va bientôt être bon. Et c'est mon bilan écologique qui va en pâtir. Malheureusement. La vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. Je regarde les missions sur les usines de traitement des eaux fluviales. J'aimerais bien en concevoir une un jour. Ok, je suis content pour toi. Alors. 40% de ce niveau peut s'améliorer. Ouais. Sauf que ça coûte du verre, ça coûte plein de trucs. Je peux monter 16 maisons. Ce qui veut dire que 40% de ce niveau peut s'améliorer, c'est... Oh là là. Il peut y avoir 40 personnes dans un manoir de responsable. 25 dans un appartement d'ingénieur. Alors un manoir de responsable, sachant qu'en fait on peut monter le nombre de résidents, évidemment, en améliorant le mode de vie. Or, pour améliorer le mode de vie, il faut ça qui nécessite du manganèse à construire sous l'eau, évidemment.
Y a pas de zone sous l'eau ici. Voici les instructions. Ça vous intéresse ? Fondation de centre de loisirs, mais comment dire ? Il faut 1200 responsables éco, mais je les ai pas encore. Site d'extraction de diamants, foreuse de terres rares. Et tout ça, c'est sous l'eau. Décidément, on ne peut compter que sur soi-même. Oui, je sais. Mais j'ai rien vu. Les zones sous l'eau sont marquées en noir sur la carte. Sauf que j'en vois aucune. Je n'en vois aucune. Yep. Donc pour moi, il n'y a pas de zone sous l'eau, donc améliorer les responsables éco, ça va être difficile. Avertissement. Arrêt complet de la production. Extracteur de sable, il y a trop de sable, bon, c'est pas grave. Je vais finir d'explorer la carte, mais pour moi, c'est pas possible. Parce que tout ça, il faut le construire sous l'eau, mais ce n'est pas, j'ai pas de zone sous l'eau, donc... Pourtant, elles se voient, les zones sous l'eau, hein, quand elles y sont. Mais il faut croire qu'elles y sont pas. Pas sur cette carte. Bon, comme ça, au moins, ça vous montre ce que c'est anneau, un anneau classique, là. Parce que là, c'est 100% du anneau. Hein. Yep. Ça, ça améliore de niveau. C'est très bien. Ça bouffe tout le verre. Mes revenus fiscaux qui sont... crèvent les plafonds. Toc, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Ouais. Je passais dans le coin. Quelqu'un a trench coat. Besoin de mes services. Salut. Trench coat, qu'est-ce que tu vends ? Des armes high-tech. On dirait les armes de Stark. Il cherche des diamants. Sauf que les diamants, c'est sous l'eau, toujours. Oh. Je sais pas si vous entendez la musique. Mais c'est vraiment très sympa, ça fait un peu western. Un peu terre désolée, c'est vraiment cool. Bon, et ben il n'y a absolument rien sur cette carte au niveau des zones sous l'eau. Du coup, l'amélioration de responsable, je pense qu'ils peuvent la carrer là où je pense. Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'ils foutent ? Rares sont ceux qui trouvent ETO. Mais ils sont encore trop nombreux à mon goût. Certains pensent que nos sous-marins high-tech sont l'avenir. Ok, un navire zéro. Affaire conclue. J'ai obtenu un sous-marin. Ça ne sert à rien, mais voilà. Enregistrement d'un plateau sous-marin. Ah, j'ai découvert un plateau sous-marin. Ah non, c'est... Ah bah voilà. Eh bah enfin, ça y est. Je peux aller sous l'eau. Ah bah... En fait, il y a bien des zones sous l'eau. Vous pouvez même pas m'indiquer là où il y a d'autres zones sous l'eau. Parce que du coup, c'est le laboratoire de... Je vous donne ce sous-marin, et j'espère que vous ne l'utiliserez pas. Non, c'est bon. Certains pensent que nos sous-marins high-tech sont l'avenir. Qu'est-ce qui vous amène à ETO ? Alors, bon, bah, c'est le laboratoire sous-marin qui vend des trucs. Mais évidemment, il n'y a pas de zone sous l'eau. Oups, je suis ressorti. Mais peut-être juste un sous-marin, parce que... Ah ouais, j'ai compris le truc. J'ai compris le truc, c'est qu'en fait j'ai j'ai installé l'extension en eau profonde et elle a changé pas mal de trucs en fait au niveau du gameplay. Donc il y a bien les zones sous-marines. En l'occurrence ici, par exemple il y a des gisements pétrolifères. On peut extraire du pétrole brut. Il doit y avoir des gisements miniers aussi. Ah, ici on fait des granulés de plastique. Bref, j'ai bel et bien trouvé des gisements, enfin en tout cas du... Les trucs sous l'eau. D'ailleurs, ce sous-marin, il file à la vitesse de la lumière sous la flotte. C'est assez impressionnant. Donc, voilà, maintenant qu'on a chopé un sous-marin, voilà, je suppose que c'était ça. Le truc qu'il fallait faire et que je ne connaissais pas, étant donné qu'avant, il y,
n'y avait pas besoin de ça. Sauf que pour construire les trucs sous l'eau, il faut quand même un truc qui permet de relier la surface à sous l'eau. Et tout ça, c'est des modules tech. Donc il faut accepter la partie tech. C'est où? Plan de construction tech. Yep, yep. Non, c'est pas l'arc que je cherche. Votre mission? Si vous l'acceptez, oui. Droit d'accès au bâtiment. Menu construction mis à jour. Ah là, ça y est. Construction analyse tech. Terminée. Les gisements de matières premières de ce plateau sous-marin ont été incorporés à la base de données. Ah là, ça y est, vous voyez, on voit le plateau sous-marin qui est apparu sur ma carte. D'ailleurs, je suppose que ici, il doit y en avoir un. Navire amiral prêt. Lancement des procédures de contrôle. Ah non, il n'y en a pas. Pourtant, c'est une énorme zone où je pense qu'il devrait y avoir quelque chose. Il faut croire que non. Ah là, il y en a un. J'ai baladé un petit peu le... Ah bah ils le font maintenant automatiquement. Il faut vraiment que je lise le patch note de mise à jour quand même. Alors, ça nécessite pas mal de choses. Et évidemment, j'ai pas les matériaux de construction. Combien ça nécessite? 4 et 8. Un entrepôt sous-marin. Ouais, et ben allons-y. Alors attendez, je vais juste voir ce qu'il y a ici. Fertilité, algues, diamants, fumeur noir. Ok, nickel. Donc il faut des trucs qui sont ici. On va venir aller chercher. D'ailleurs, où est-ce que ça en est ici, ma petite ville qui prospère gentiment? Ça en est que ça évolue lentement, je trouve. Ça évolue vachement lentement. Cependant, ça m'a l'air d'aller. Donc, j'ai obtenu les techs. Les techs. Donc, on a les bâtiments de base, ok. Et là, les techs de base qui nécessitent du carbone. Bah, génial, c'est des trucs à produire sous l'eau, vu qu'il faut du pétrole brut. Vous voyez, c'est compliqué. On voit d'ailleurs que ce qui est grisé, c'est pour l'extension. L'extension, en fait, elle n'est pas activée sur cette partie, sur cette map-là, étant donné que c'est une map du jeu de base. Donc, il y a des éléments qui sont dans l'extension, qui du coup ne sont pas activés sur cette carte, c'est tout. Donc à la base, c'est des assistants, ils nécessitent du poisson, en fait, je pourrais les faire. Ah ouh, la production, site d'extraction de diamants. Bon, bah voilà, j'étais obligé d'avoir les techs, de toute façon, il faut les extractions de diamants. Le manganèse, toujours sous l'eau, et foreuse de terre rare. Ah, attendez, que je me souvienne. Il me faut... Ah bien sûr, le robot extracteur de manganèse. Ben, il fallait tout ça quoi. Ah mais je les avais déjà en fait. Il fallait juste que je puisse aller sous l'eau. Je suis un abruti. Hydrolienne. Fait de l'énergie à construire sous l'eau. Ah oui, mais c'est sûr que si j'ai pas l'hydrolienne pour aller construire sous l'eau, je pense que j'en aurais un peu bavé. Allez, remonte. Fais surface s'il te plaît. C'est gentil. Qu'on puisse échanger. Alors après la question c'est qu'est-ce qu'il me faut pour construire ces bâtiments. Ok, des outils et des nodules de construction. Évidemment j'ai plus assez d'outils. Accélération du temps. Ah mais il me bouffe tous mes outils. Bon, trop tard. On va aller s'occuper de ce site. D'ailleurs, il peut pas aller en plongée. Il est où mon bateau? Incroyable. Allez. Plongée. Ouf. Plus vite que moi. Alors, va falloir qu'on s'installe. Où est-ce qu'on peut s'installer? Sachant que c'est un peu plus compliqué sous l'eau. Non mais il va pas si loin quand même. Ah mais ici c'est bien, il y a plein de sites. Ok. Toc, vous voyez l'entrepôt est ici, c'est bon. On va pouvoir. La compagnie soutient vos efforts d'acquisition de nouveaux sites. Ouais, c'est même un site sous la flotte, ce qui est quand même trop la classe. Un extracteur de manganèse. Y'a pas de manganèse? Foutez-moi là. Ah, y'a des diamants quand même. Bon, bah ça veut dire qu'il va falloir. Mettre des diamants, enfin cultiver des diamants ici.
Cultiver du manganèse et des terres rares. Enfin, utiliser la foreuse de terres rares pour récupérer des terres rares, tout simplement. Et ensuite, on va ramener tout ça, je sais pas où, et on fera à l'aide des métaux rares et des diamants des projecteurs 3D. Ouais. Je pense que les projecteurs 3D, on les fera sur une terre ferme. En l'occurrence, je pense ici. Et les extractions, on les fera ailleurs. On va extraire le diamant déjà. J'avais pas besoin du coup de me mettre si près des. Je vais pas avoir assez d'énergie. Tech. Hydrogène. Ah, ça coûte tellement cher. Ah, il en manque un. Je me suis mal placé. Oh, qu'est-ce que ça coûte cher. Ok. Foreuse de diamant. Ah, j'ai pas assez de modules de construction. Foreuse de diamant. On va mettre 3 foreuses. On sera tranquille. Aquarail, ça c'est la classe. Des routes sous-marines en aquarail. Et si c'est pas la classe tout ça. Donc on est très très bien à ce niveau là. On n'a pas de problème. Donc l'extraction de diamants a commencé. Tron, c'est génial de dire ça. L'extraction de diamants a commencé. On va pouvoir récupérer ces diamants. Voilà, ça commence à popper. Il va falloir que je mette une nouvelle route commerciale entre ici et puis comment ça s'appelle ? Pardus. Non pas perdu, mais Pardus. Avertissement. Production interrompue. Ici y a quoi ? Je sais pas. Il va falloir aller chercher pour explorer. Donc je vais envoyer mon sous-marin à explorer. Voilà, exploitation laitière qui produit plus. C'est ballot. Toc. J'ai augmenté la place dans les dépôts. Ça produira plus vite, ça sera mieux. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, on va s'occuper encore de nos responsables. On va essayer d'améliorer leur niveau de vie. Une fois qu'on aura les holoprojecteurs, ça sera mieux parce que du coup. Toutes les maisons seront remplies au maximum, c'est-à-dire ils auront 40 sur 40. Je regarde la population, plus que 4 bâtiments à monter. On est à 520. 520 sur les 2500. Ça avance bien, ça avance bien. Je pense qu'encore quelques épisodes et puis on aura réussi ce défi. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.